Les rêves ont toujours fasciné l'homme, puisqu'il est difficile de dire s'il est prémonitoire ou simplement inspiré de nos convoitises et nos peurs. En fait, les rêves jouent un rôle important d'organisation dans notre assimilation d'informations. Bien souvent, les mages communiquent avec les dieux et les esprits en rêve. Et en contrôlant bien ces aptitudes, ils peuvent ainsi découvrir l'inconnu, comme le passé, le présent, l'avenir. Et cela, grâce à des moyens non rationnels, la magie. Alexandra, donne-moi ton cœur, bébé. J'ai besoin de ton soul, bébé. Dans mon dernier songe, j'ai parlé de régénération avec Saint-Antoine de Padoue. Je sens une présence. Venez. Par ici. Est-ce que vous croyez à la magie? Non. Merci. Je suis le plus grand sorcier de Montréal. OK. Je peux vous faire un petit tour de sorcellerie? Bon. OK, je vais vous faire un tour de régénération de cellules souches. C'est Antoine de Padoue régénéré. Mais voyons donc. C'est Antoine de Padoue régénéré. C'est Antoine de Padoue régénéré. C'est Joe, quoi. J'ai jeté un sort, mais j'ai pris le soin de le briser par la suite. Car lorsqu'on jette un sort, bien souvent, il peut se retourner contre nous. Et là, eh bien, on peut perdre la tête.